Allez. Moïd. Sakataburi Ono. Non, non, non! C'est quoi ça? C'est quoi? Ah, je peux pas utiliser mes popos! Ah, je peux pas utiliser mes popos! Mais fenêtres de tir, elles sont où? Alors, jamais ça. Jamais, jamais, jamais des stocks. Hier, j'avais essayé. Je me suis trompé, j'ai fait un estoc à la con. Ok, le first try, il était plutôt propre. Bon, je crois que je vais être obligé d'utiliser des objets. Parce que je vois pas où sont mes fenêtres de tir. J'en ai aucune. Mais donc du coup, par contre, j'ai un problème. Parce que ça, ça va me bouffer des emblèmes spirituels. Et les pétards aussi. Donc du coup, il faudrait que j'ai plutôt le Ichimonji double. Histoire de lui faire mal. Quand il y a les pétards. Ça me semble assez logique. Allez, viens, mon gros salaud. Utiliser de popo. Est-ce que ça part ce truc? C'est bon, c'est parti.
Non, 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 non. Tu perds pied, mec. Tu perds pied. Ok. Tu m'implores ? Poison ! Ah putain, en plein sur ma gueule ! Tu perds pied, mec. Plus que des boulettes. Poison. Putain, ça pour des boulettes de merde. La musique est trop bien. Poison. J'ai eu du cul. M'en fous que j'utilise pas d'objet, j'en ai plus, enfoiré. Merde. Y'a de l'idée, hein? Y'a de l'idée. Pour un deuxième try, c'est super, j'avoue, pour un deuxième try, c'est propre. Hein. C'est propre, c'est propre. Salut Aden, bienvenue à toi. Sagataburi ou non.
Non, 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 non. Greedy. Merde, intro. Ah, je fais de la merde. Non, je me suis accroupi. J'aime pas lui, hein, mon gros salaud. Plein dans la gueule. Sinon, moins de pétards et plus de l'âme de la mort. Moins de pétards. Parce que les pétards, ça m'offre des ouvertures, mais en fait, maintenant, je les vois. Il y en a certaines que je vois, et j'ai pas besoin des pétards. Par contre, la lame de la mort, ouais. Ouais, 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 ouais. Ça, c'était pas du tout une ouverture. Ça, c'en est une. Mais merde, je prends la popo et je claque. Oh non, mais même après, je la prends. Ah oui, mais je suis... Mais non, je fais de la merde. Putain, mais mon deuxième try, il était propre. Et là, je perds confiance en moi. J'ai essayé des trucs, ça marche pas. Et salut Papy Trifon, bienvenue à toi. Ok. Allez, concentration. Tu connais ces patterns, mec. Ah!
posture, putain! Eh merde! Inutile. C'est un risque inutile. Sinon, je prends mon temps, j'attends que les belles ouvertures que j'ai. J'essaye d'en provoquer des ouvertures, mais... Je sais pas si c'est très utile, hein. Damn! Là, je peux peut-être taper une fois. Non, 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 je peux pas taper une fois. Là, je peux taper. Tiens, c'est nouveau ça. Ah bah ouais, mais quand tu me fais des trucs nouveaux, mec, bah moi je panique en fait. Non, non. Eh merde. Putain, j'ai cru que le il passait. Oh putain! Le gros boss! C'était bien au début! Ouais! Ouais. Le pétard m'a complètement décontenancé. Parce qu'il l'avait jamais fait, et du coup j'ai pas compris. Mais sinon, le début était bien, était correct. Des merdes! Et merde! Je peux pas les boulettes non plus. Putain, c'est foutu! Ah putain! Oui, on va y aller. Mais laisse-moi soigner, putain, le jeu! Ok, je prends les risques. Eh merde!
Et salut, Yui. Bienvenue à toi. Bienvenue sur le live de la punition. Je galère. Je galère, je galère. Mais c'est ça qui est bon. C'est tapé en même temps, mec. Non, là j'avais une ouverture d'habitude. Oh. Ok, c'est la boule. Ah merde, la boule magique. Je peux pas me heal. Je peux pas me heal. Je peux pas me heal. Le jeu! J'ai fait un bon début, mais je peux pas venir! Oh non, tu fais pas l'animation tout à l'heure! Dans un coin. Faut que je bouge. Non, c'est terrible. Ça panique. Ça panique pas mal. Ça panique pas mal pour le joueur français.
Mérite un peu d'eau, ça. Merci pour les GG dans le chat. Merci beaucoup. Ah. Ça n'aura pris qu'une heure. Est-ce que ça a pris une heure? Non, ça a pris 30 minutes. Ça a pris 30 minutes. 27, en l'occurrence. On a joué à... On a commencé à 21h. Une branche aromatique. Une branche séchée et odorante du persistant. Volée par le père de loup. Le cordon rouge autour de la branche a sans doute été attaché quand il a quitté le royaume divin. Cela lui rappelle d'où il vient. C'est un ingrédient de l'encens de Kuro recherché pour l'immortalité. C'est dommage, hein. Je suis mort à la fin. J'aurais peut-être pu passer le boss sans rez. J'aurais pu passer le boss sans rez. Et pile à la fin, j'ai fait une erreur. J'ai commencé de regarder sa barre de vie. Et ça m'a... Ça... J'aurais pas dû. J'ai regardé sa barre de vie, j'ai fait « Ok, ok, on va y arriver. » Et du coup, j'ai fait des erreurs de débutant. Et je me suis fait tuer. Mais bon, on s'en sort bien, on s'en sort bien. Grave bien même. Je suis content. On va pouvoir prendre la save. Se reposer. Augmenter notre puissance d'attaque. Avec le souvenir du papa. Désolé, papa. La chouette était un grand shinobi dont l'ambition ultime était d'obtenir le pouvoir de l'héritage de dragon. Que votre véritable nom résonne dans tout le Japon, car tout cela n'était que pour servir son ambition. Et du coup... Y'a Patisfada, est-ce que tu es là encore, Patisfada? Tu m'avais conseillé, avant d'aller à la suite, là, donc de chercher le prince, j'imagine en dessous, d'aller au temple Senpo, c'est bien ça? Tu m'avais dit genre au temple Senpo, il se passe des dingueries. Et après, je pourrais plus les voir. Je vais aller voir, hein. Pouh, bah il était chaud, hein. Il était chaud patate. On y est arrivé. Alors. J'ai pas souvenir que ça bloque des parties du jeu. Ouais, mais en fait, c'est ce que j'avais peur. Mais y a rien au Temple Senpo. Y a juste les moines qui font encore... par contre, faut que tu fasses quelque chose à partir de ce stade du jeu pour avoir la fin avec tous les boss. Ah bon? Et le jeu te dit pas quoi faire? C'est un... Il faut savoir, quoi. Ah merde. Faut que je fasse quoi? C'est con, autant faire tous les boss. J'étais en appel, vous pouvez répéter ce que Mathieu a dit. J'ai dit... tout à l'heure, tu m'as dit d'aller au temple Senpo, parce qu'il y avait des trucs cool, mais je vois rien. Et c'est compliqué à faire 6 kills, ce qu'il faut faire pour avoir tous les boss. Non, c'est juste des petites choses. Ah merde. Mais faut savoir, quoi. Genre espionner Kuro. Ok. Va voir le gamin de l'immortalité, normalement tu as pas dépensé trop de riz, ça devrait aller. Mais j'ai pas de riz là, j'en ai filé une fois à la vieille, mais d'ailleurs faut que j'aille en rechercher. Parce que s'il faut du riz, il m'en faut encore alors. Faut que j'aille chercher du riz.
fait, le gamin te donne du riz à chaque fois que tu vas le voir. Ah ok, je savais pas. J'ai juste à espionner Kuro en me mettant derrière un mur. Ok. Il faut retourner plusieurs fois voir l'enfant divin jusqu'à ce qu'il te donne une bulle de riz sucrée. Ok. Ok, bah je vais aller revoir l'enfant divin. Il m'avait filé du riz une fois que j'ai donné à une vieille. Carpe. Les magicarpes. Mais c'est pas des carpes à écailles, ça. Non, c'est pas des carpes à écailles. Par contre, il y avait plein de loot ici. Et d'ailleurs, les amis, cet après-midi, j'ai amélioré un de mes objets. En l'occurrence, le parapluie lila du phénix, qui permet de se garder des attaques dans toutes les directions et par les esprits vengeurs. Est-ce que je pourrais pas faire les boss de terreur ? Parce que si je me protège des esprits vengeurs, du coup, je me protège de la terreur, peut-être. Ça, c'est cool. J'y suis jamais allé, là. Après avoir espionné Kuro et Emma, cherche la madame aux abords du château. Muy importante. Mais je le rejoins là, ici. Ça va, mec? Merde! J'ai pas lu. J'allais trop vite. Note de Dosaku. Où es-tu? Ok. Mes disciples ont tous rejoint Dojun, effrayés à l'idée de se salir les mains. Ils m'ont abandonné pour ce charlatan, Dojun, mon dernier disciple. Même si je meurs, les traitements doivent continuer. Vous devez poursuivre mon travail coûte que coûte pour Ashina. Ok, j'étais jamais venu ici. Trop bien. Du coup, si j'ai bien compris ce que vous me dites. Petit 1, je vais espionner Kuro et Emma dans le château. Petit 2, Patisfada, je vais chercher une dame aux abords du château. Et petit 3, je vais chercher du riz. On fait peut-être beaucoup de choses. Je vais aller voir Kuro déjà, ça sera fait. C'est qui, tu vas me faire un gros message? Ah, qui récapitule tout. Ok, ça me va. Je vous demande votre aide hein, là parce que de toute évidence, si on n'a pas la bonne fin, bah il va manquer des boss. Et quand même, le but de jeu, c'est de faire des boss. Donc ça serait con. Donc, on retourne au point d'observation de la tour. Mais d'ailleurs, faut que je le trouve. Alors, comme j'ai tué le boss ici, il doit être dans le coin, là. Il doit être dans le coin. Ok. Il y a Emma et tout. Je vais communiquer avec l'idole. Je sais où faut que je les espionne. Parce que je l'ai déjà fait dans le passé.
C'est fait. Et ensuite, je vais attendre le message de Sikil. Là, vraiment, je vais pas prendre de risque. Je vais parler à personne. Je leur parlerai après. J'attends votre expertise. Avec Kaju qui me dit espionner Kuro. Discuter avec Kuro. Espionner Kuro de nouveau. Faire ce que dit Kuro dans le dialogue. Parler à Emma et l'aider. Se reposer. Et reparler à Emma. Aller à l'idole du vieux tombeau. Et parler à Emma. Aller au temple en ruine et espionner Emma et le sculpteur. Parler à Emma. The fuck? J'écoute qui du coup? J'écoute Kaiju ou j'écoute Sekil? Camoulox, ouais. Bah, Camoulox de ouf. Ça fait beaucoup de blabla. Oui, tout à fait. Repose-toi à l'idole. Je sais pas qui écouter. Je vais me reposer à l'idole. Ok. Ok, les personnages ont changé. Ok, c'est espionné. Marsus, c'est Super Solus. Ok. Bon, je vais discuter avec Kuro. Ah, j'aurais dû discuter avant, du coup. J'espère que ça va passer. Okami. すまぬ。黒様。すまぬ。なすべきことを成したのです。狼、ありがとう。父がこれを持っていました。これは床桜の枝か。そうか。フクロウが持っていたのか。床桜の枝。エマ殿から聞いた話だ。 床桜とは、タケル様が戦況よりもってこられた桜。この城の裏手に、かつて咲いた時に。これがその床桜の枝。ああ、おそらくは。 Ok, je vais juste faire un petit alt-tab pour copier le message que m'a dit que m'a dit Kaiju, parce que à cause du chat je ne le vois plus. Je vais le copier dans mon Discord. Ok, on est tout bon. Ensuite, je monte les escaliers et je vais parler à Emma, c'est ça? Emma, hiya, hiya. Emma, hiya, he. Nasubeki koto, nasaneba. Miko-sama ga sou oshatte ita. Osoraku nani ka himerarete iru. Sou. どうした？タケル様の記録に解釈という言葉がありました。ああ。おそらく解釈とは、流因の巫女の命とともにその節を断ち切ること。なんだと？このまま節立ちの道を歩まれるならば不思議で、クロウ様。Wow.
Deep. はい。不死立ち子様黒様の望みですが、狼殿、黒様を殺さぬ道がないものでしょうか。竜院は常ならぬ力、そのような道もあるやもしれぬ。ならば狼殿、黒様を殺さぬ道、それを共に探ってはいただき。 Ok. Je veux pas le tuer, on est d'accord? On veut pas le tuer. On veut pas le tuer. Choix 1. Ok. Miko-sama wa shinasenu. Arigato gozaimasu. Tegakari o saguraneba na. Hai. Sou ka. Tomoe-dono no. オオカミ殿、私に調べを進め。わ、それからこのこと。巫女様には伏せておく。はい。Ok. Là, je me repose. Ça, là, on est en full expérience backseat. On est en full expérience backseat, mais c'est autorisé. C'est vraiment autorisé. Ne me spoilez pas, par contre, sur l'histoire. Mais en vrai, c'est pour avoir... La fin où il y aura le plus de boss. Moi, j'aime les boss. Là, c'est kill, je me repose, du coup. Tu te reposes à l'idole, tu reviens parler à Emma qui n'a pas bougé. Une fois que c'est fait, tu prends l'idole et tu te diriges au vieux tombeau. Tu parles à Emma une nouvelle fois, elle sera en train de prier devant une tombe. Une fois que tu lui as parlé, il faut que tu ailles voir le sculpteur et que tu ailles derrière sa maison pour l'espionner. La vache, mais putain! Une fois là-bas, tu espionnes Emma et le sculpteur et tu vas parler à Emma. Oh la vache, attends. Je vais recopier. Je vais recopier parce que j'ai peur de faire une bêtise. Ok. Merde, mon chat. Ah là là. Elle est là. Ok. Tu te reposes à l'idole et tu reviens parler à Emma. C'est impossible à trouver, hein. C'est impossible à trouver. Okami. La note de Tomoe est écrite d'une main habile. L'atout du seigneur Takeru Empire. Il est impossible de retourner au royaume divin. Je veux juste mettre fin à l'héritage de dragon et l'aider à retrouver son humanité. Pour cela, il faut le persistant et la lame de la mort. Je ne peux pas encore acquérir la lame. Je pense que le grand prêtre du temple Senpo l'a caché et qu'il ne veut pas mettre fin à l'héritage du dragon.竜院を立ち、人に返す道がある。そのためには、以前お伝えした通り、床桜とは、タケル様が宣教より持ってこられた桜ですが、何者かが枝を倒り、花を持ち去り、床桜は、やがて枯れ果てました。床桜の木そのものが失われてしまったのです。 木そのものがない。当然に床桜の花もないか。はい。ですが、持ち去られた枝にはそれが見つかれば、あるいは床桜の枝とはこれか。父が持っていたのだ。フクロウ殿が。ですが、花はもうない。 どうした？いえ、床桜があった頃のことを思い出そうとしているのですが、どうも記憶がおぼろげなのです。お二人のお墓を。何？床桜の後にある。La tombe. Du coup, elle me le dit en fait. C'est quand même pas si cryptique que ça, parce qu'elle le dit et qu'elle va sur une tombe.
Ok. Donc là, du coup, je prends l'idole et je me dirige au vieux tombeau. Ce tombeau sera votre tombeau. Le vieux tombeau, c'est là. Bon, alors là, on va essayer de trouver le vieux tombeau. Ah merde, il y a une alerte. Ah merde, c'est pas une alerte en fait, c'est un type. J'ai fait un pur boss, mec. Tu m'auras pas, tu sais. Parce que si je descends, je vais au... au truc du serpent. Ah ah ah! Donc là, il va me parler du sculpteur. Ok. Ok, donc je prends le... je prends le TP. Si je regarde mes notes, je prends le TP. Je vais parler au... il faut que tu ailles voir le sculpteur. Donc on va l'espionner. Et après, le backseat sera terminé. Et on arrêtera le backseat. Mais bon, c'est pour avoir la bonne fin. C'est pour avoir la bonne fin, donc c'est pour la bonne chose. C'est pour la bonne cause. Elle est là. Je t'avais pas looté, toi ! Peut-être devant la porte, hein. Bah, peut-être le dernier mur qui reste. T'es du bon côté du mur, mais il y a une petite fenêtre. Ah, il y a une petite fenêtre. Alors, attends. Celle-ci ? Derrière. Ah bah putain. Ah la vache. Ok. Ça fait des complots et tout. Et là, il me reste plus qu'à... je vais parler à Emma. Maintenant, je joue. Ok, merci Sikil. Merci beaucoup. J'ai pas de graines de gourde. Interrogez sur vous, ce que vous avez entendu. Ouais, bah oui. それはどういうことだ。聞いていたのですか。
Je suis un shinobi. Évidemment que j'écoutais.私は見たのです。あの日、トコザクラの木の下トモエ殿が自刃されようとしたのを。なぜ自刃など？トモエ殿はこう言っていました。流飲の血を受けた節はその主を縛ると。人帰りのためには。 流飲の血を受けた者が死なねばならぬか。はい、その通りです。だが人帰りもならなかった。はい、不思議りがなかったためでしょう。私はクロ様を、そしてあなたも。あ、c'est gentil, merci。失いたくどの道も行き止まりな。 Demandez ce qu'elle cache. Elle cache quelque chose. Il y a encore un choix, mais j'imagine que si vous me l'avez pas, vous m'avez pas parlé de ce choix, je pense qu'il a peu d'incidence. Charme de la cloche du père. Un charme autrefois possédé par la chouette. La chouette le détient depuis longtemps. Vous verrez peut-être un souvenir différent si vous l'offrez au temple en ruine. Nul ne sait pourquoi ce charme de protection existe. La chouette le gardait peut-être pour lui. Peut-être voulait-il l'offrir à quelqu'un. Suzuka. フクロウ殿の亡骸から、こぼれ落ちたフクロウ殿とあなたは縁起が深い。それを備えれば、また異なる記憶が見られるやもしれません。備えてみよう。どういった記憶かはわかりますが、それはフクロウ殿が持っていたもの。どうか。 OK. Donc va falloir que je fasse une donation au truc de Bouddha juste là, je pense. OK. OK. J'arrive ici, là où le maître était mort. Qu'est-ce que t'appelles ? Ça rend fou les animaux, ça. Tu vas voir, mon pote. Bon, ok, c'est passé très mal. J'ai voulu tester un truc. Fuck, y'a des ennemis. Merde. Non, ça rappelait des loups.
Putain, il a rappelé des loups. Faut que je le harcèle pour qu'il appelle pas les loups. Balayage ça. Non, c'est un Mikiri. C'est un Mikiri, bordel. Le problème, c'est que j'ai pas d'enseigne. Pas d'emblème. Et pour les loups, c'est compliqué. Parce que je pourrais les one-shot avec mon shuriken. Allez, t'as pas eu le temps de les appeler. De les appeler, mon pote. Ah putain, c'était Mikiri. Non. Non. Merde! Il me faut des... Il me faut des emblèmes, hein. Est-ce que je pourrais balancer un shuriken quand il siffle? Siffle pas. Il passe pas le Mikiri. Putain, je suis bloqué. Putain, mais mon placement là, il est tout pété.
attaque de merde. Vas-y, on va se faire des emblèmes. Par contre, maintenant, avec tous les bonus de dégâts, tu one-shot les mobs. Mais les mobs, je les punis de ouf. Je les punis de ouf. Bah, vous faites quoi, les gars? Ok, c'est pas ouf, 9 emblèmes, c'est pas dingos. Et on va peut-être essayer de cheater. Parce qu'il est relou ce boss. Et salut solo piano, bienvenue à toi. Ok, ça marche pas. Putain, je me suis trompé. Ok. Ok, ils sont tous morts. Tais-toi. Mais calme. Non, pas les gars. Mais oh, tu siffles en face de moi. Putain. Quoi ce travail pourri là? Ils sont horribles ces ninjas. Allez, la punition n'arrête jamais. Ma position. Je pourrais pas essayer, tu sais, quand il saute, de sauter et de le one-shot. Est-ce que je peux faire ça? Genre, il saute, je saute, bam! J'ai une attaque qui fait ça. Et salut, Missy Nickton, bienvenue à toi. Non.
c'est dans mon dos. Putain, il est pas passé. Lui, il est passé. Nickel. Putain, mon timing! Il va arriver! Eh ben, il m'aura donné du fil à retordre, lui. Ok. Ah, c'est un autre passage. C'est un autre passage. Ok. Oh, la vache! Faut pas me faire tuer par un trash, quand même! C'est pas passé. Ah, c'est pas passé. La loose. Putain, mais je peux pas passer par au-dessus. Pourquoi je suis pas obligé de me battre en soi, hein. Parce que eux ils vont être super relous ils vont être super relous. Ok, j'ai une idole. Allez vite, repose-toi. Repose-toi. Mais non, là, je peux être en mode ninja. Bon, c'était pas très ninja, ça. Mais non, je peux être en mode ninja. Ok, pas avec toi, par un compte. Toi, t'as une armure. Laisse-moi l'enlever, tu vois. Si tu la sélectionnes. Ok, ça a pas marché du tout.
me fais pourrir par des trashs. C'est pas possible. Vas-y, et il perd pas de vie, tu sais. Bon, allez, tu sais quoi? Tu sais quoi? On va save et on va l'esquiver. Parce qu'ils sont intuables et j'en ai pas besoin. Je t'emmerde! Salut les gars! Je veux pas jouer avec toi, mec. T'es relou. Ninja. Je fasse gaffe, je vais peut-être tous les faire popper, hein. Putain, il me suit encore. Moi, je veux visiter. Ah! Il pète les murs, tu sais. Baston. Merde, ils sont deux. Je suis un peu embêté là. Je suis même carrément embêté. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi prendre le chien. Ah, il me suit. Mais c'est pas possible, vous êtes combien? Ouais, c'est ça, barre-toi, ouais. Ok, on a un big guy là-bas. On va aller grave l'affronter. Je peux les espionner. Je peux les espionner de ouf. Ah merde, je peux plus. Ok, ça va être un combat complicado. Mitiri, putain! Pfff.
Y'a un archer derrière. Oh putain, y'a un archer derrière. J'y crois pas trop, j'y crois pas trop en ma chance. Mais je vais essayer. Je vais faire ce qu'il faut. Putain de merdier. Vous allez penser que j'abandonne pas, et vous auriez bien raison. Non ! Ça passait pour le tuer. S'il tuait, j'étais... Je pouvais pas. Oh, oh mon dieu. Quoi, vas-y, mais fuck. C'était ma mort la plus épique de Sekiro. Tué par des trash. Tué par des vieux trash de merde. Vas-y, il veut même pas le tuer. Et merde! C'est horrible. C'est horrible. Ils m'ont vu, hein. Ah, il m'a vu, il est là. Razem! Allez, venez. Mais non, mais putain, mais non! Mais non! JPP! Trouve un allié. Faudrait que j'en tue un, ouais. Fous-moi save.
Vas-y, je veux faire le boss en fait. C'est relou avec les trash. Ah putain, mais il est où mon truc de save? Trouve un allié, la chouette. Mais y a pas la chouette. Ok, je vais peut-être pouvoir les espionner maintenant. Non? Allez. Ouais. Ok, je vais essayer un truc. Je vais essayer un truc. Mais je sais pas si ça va marcher. Hein. Déjà. Marionnettiste. Et je vais essayer le sucre. Qui me permet... Fufu. Pas du tout. Allez, viens te battre ici, mec. Vas-y, je suis fufu. Vas-y, je suis fufu, tu sais. Mais non! Mais c'est pas vrai! C'est la pire zone du monde. Allez, viens jouer avec moi, mec. Non, non, on va pas ici! Non! Ça fait pomper notre pote, c'est pas vrai! Qui m'a tué? Allez, on y croit, on y croit, on y croit, on y croit de ouf. Allez, viens te battre. Ok. Quel plan machiavélique! Il se passe excellemment bien. Pour l'instant, il reste plus que le boss. Son ninja est mort. Il y a un archer là-bas, je crois. Non, non, ouais, oh. Putain, mais bordel!
Alors, est-ce qu'il est seul? J'ai l'impression que oui. Il me voit? Bon alors là j'ai pas du tout la pression. Eh merde. Ça va trancher chérie. Putain j'ai pas le range. One shot, je suis mort. Cours pour ta vie. J'ai la pression de redevoir faire toute cette zone, c'est horrible. Putain de cul! J'ai dit un gros mot. Oui, j'ai dit un gros mot. C'est horrible. C'est horrible. J'ai pas utilisé le bon sucre. Ok. Bon, j'ai reset les mobs, ça déjà c'est bien. Oui, bah oui, faisons comme ça. Yeah.
descends, mec. Ah, il y avait du saké ici. Bon, tout à l'heure, j'ai vraiment eu de la chance. J'ai chopé un ninja gratos. Mais je pense pas que je puisse réitérer l'opération. Je sais même pas où il est. Comme c'est dur. C'est pas possible. Je vais essayer de faire bugger le jeu. Hein. Je vois que ça. Normalement, notre champ de bataille est vide. Et on lui enlève une vie gratos. Merde, c'est pas passé! J'en aurais chié. J'en aurais chié sur cette zone. Nom de Dieu. Merci pour les GG dans le chat. Merci beaucoup. Oh là là. Cette zone de l'enfer. Du coup, je refais un petit tour, mais c'était pas si dur. Pourquoi il se plaint? C'est vrai, pourquoi je me plains? C'était easy.
Shinobi. Shinobi. Un peu d'infiltration dans ce monde de brut. Bienvenue ici, mais je voulais voir s'il n'y avait pas du nouveau loot, mais non. Shinobi! Oh, qu'est-ce qui se passe? Putain, t'es le pire garde du monde, mec. T'es le pire garde. Tu mérites de partir. Tu n'étais pas prêt pour ce monde. Ok. Donc, on va retourner voir la vieille au doigt. Ok. Des emblèmes... Ah, j'ai chopé quand même 1000 PO. Bah, je vais acheter des emblèmes parce que de toute façon, je vais les perdre parce que je vais mourir en chaîne. Ça va être sûrement un boss. Donc, autant que la thune soit rentable. Je pourrais acheter des compétences, mais j'ai que 2 points. Ouais. Ça sent le boss. Oh, le boss qui me punit les fesses. Je vais encore me rebattre contre papa. J'arrive en fufu histoire de, tu vois. Non, faut que je lui parle, voilà, vache. Papounet, on se retape ou quoi? Parle-moi. Wow. Ah, pas le même pattern, évidemment. C'est quoi, c'est un balayage, ça? Bon, c'est cool, je lui ai enlevé 5 points de vie. Merci la divine. Tu sens pas obligé de le faire maintenant. Il suffit de le faire avant de finir le jeu. J'étais encore loin. Je suis encore loin de finir le jeu. Mais on va tryhard. On va tryhard. Tu la connais cette attaque en plus, mec.
Mais... Bon alors là... T'es fatigué mon pote hein. En vrai, tryhard maintenant, c'est pas top. Ok. Là, vous m'indiquez, vous essayez de m'indiquer avec des clins d'œil que... Je sais pas si tu devrais le faire maintenant, mec. Je sais pas si tu devrais faire tout ça maintenant. Au moins lui enlever une vie, tu vois. Au moins lui enlever une vie, putain! Bon. Je vais... reculer. Je vais reculer. Et je vais revenir un peu plus tard. Mais donc du coup, moi je croyais que c'était le boss final. Mais j'ai pas fini le jeu en fait. J'ai pas fini le jeu. Du coup, faut que j'aille revoir le prince. Et salut Ferrar, bienvenue à toi. Non, le boss final, tu le reconnaîtras de loin. Ok. Ok, ok. Du coup, bah mon instinct me dit qu'il faut que je retourne voir le prince. Miko-sama, kono zaireo o te ni iremashita. Oh, sore ga Minamoto no kono ishi ka. 妙な形をしておるな。やはり祀られておりました。そうか。タケル様の記されていた通りだったな。はい。その石のあった祭壇に、かぐわしく、腰入れ、立て祀る。そう書かれておりました。腰入れ。うん。それは、どのようなところじゃ? 岩戸の奥の洞窟です。そのようなところから、まあ、かぐわしく、九郎様、あの場は戦況の一部。そうか、かぐわしくとは源の好機をまとそれを指しておるのやもしれぬな。狼よ、これできっと。 La ronde de la source. Alors, j'ai pas bien compris. Tu veux que j'aille dans le royaume divin? Parce que nous aurons la ronde de la source, tu pourras parfumer des... Maintenant, place tous les ingrédients dans l'encensoir. Bah, je peux pas les placer, en fait, parce qu'il me manque l'arôme divin. Et du coup, il m'a parlé du royaume des... Du royaume de je sais pas quoi. Là où il y a les singes?
sur la table? Il y avait un truc à faire sur la table? Ah bah oui, maintenant il y a un truc à faire sur la table. Ok. Je le voyais pas. Miko-sama. Okami. Fushigiri yo. Anzuru na. Fukaku wa kiranu. Fushigiri wo nuite kurenu ka? Hai. Sumanu ga. Me wo tojite kure. Couper la main là, vite fait. Okay. Ah, le torse. Ah, ok. Il est chaud. Oui. Minamoto-no-miya, sono-kotoba ga atama-kara-hanaremasenu. Minamoto-no-miya, Takeru-sama ga kakinokosarete-ita tori, soko-kara-senkyou-ni-tsuujite-iru-no-daro, sono-minamoto-no-miya-e-no-ikikata-da-ga. Kaguwashiku, koshi-ireta, kaori-no-ishi-ga-okareta-saidan-ni. Sonata-wa. Minamoto-no-kōki-o-ma-iwato-no-oku-no-koshi-ni-hairewa-ma-ni-ya-e-no-michi-ga-hira-fushidachi-wa-majika-gyōi. Ok, je vois où c'est. Tu me dis un autre truc ou quoi? Okami-o-se. Oui. Mazu-wa-sonata-ga-kaori-no-ishi-sonata-wa-iwato-no-oku-no-koshi-ni-hairewa. Ok, ok, ok. Ok, donc nouvelle zone. Stylax. Faut juste que je retrouve où c'est, c'était dans la profondeur d'Ashina. Pas arrivé à dire le truc. Du coup, je voyais vos commentaires. Du coup, Farrar, tu me demandais si j'aimais bien le jeu. Il est excellent. Il est vraiment trop trop bien. Il est très dur, mais il est trop trop bien. Et Sikil qui me disait, est-ce que j'avais remarqué que la lame qui me transperçait dans la cinématique de début, c'était l'épée de mon daron? Et non, j'avais pas fait le rapprochement. Mais oui, tout à fait, maintenant que tu le dis. Donc là, il y a un royaume qui devrait s'ouvrir. Le palanquin t'attend. Eh ben oui, ça a du sens. Et en fait, si je passe dans le palanquin maintenant... Je ressors. Moi, je croyais que j'allais ressortir et que c'était une nouvelle zone. Mais non, ça aurait été trop cool. Mais non, c'est peut-être plus loin dans la grotte. Non. Ah, il y avait un fragment. Ah, mais il y avait les joueurs aussi qui avaient laissé des trucs, donc du coup... Ah oui, d'accord, putain, il y avait les fragments des joueurs. Mais là, je vais plus me battre contre des humains. Le royaume divin, je vais me battre contre des putains de dieux. Ok, rien que ça. Bon, bah, je suis mort. Encore une fois. Non mais je vais pas me battre contre ça, hein, c'est mort. C'est moi où il a un sgeg? Non, tourne la caméra. Tourne la caméra. Vous lui avez foutu un sgeg?
je viens de finir le tuto. Ok. Vous me faites peur dans le chat. Vous me faites super peur. On parie combien qu'il va repasser sur la chouette dans 30 minutes? Non, non, non. Non. Oula, il y a un bug d'affichage là. Ouh, un joli bug d'affichage. Ok, merci monsieur Ficelle. Mais par contre, je veux vraiment vérifier. Ils t'ont vraiment foutu un gag. Ouais. Sauter sur son gag. Ah! C'est un fake! Ok, on va se reposer tranquillement. Et du coup, on a une nouvelle zone qui s'appelle le palais de la fontaine. Très bien. Il y a un truc où je pouvais monter, non? Ah oui, c'est là. C'est très joli. Mais une question... attaquer en même temps. Pas l'ascendant, c'est pas grave. Hein. Balayage. Balayage, Mathieu. Mikiri, mec. En plus, on l'avait. Dommage. Allez, tu tombes ou quoi? Fais deux. Utilise les trucs. Attends, mais il faut la combattre en fait, c'est pas juste une phase. Ah si, c'est juste une phase. Balayage. Oh putain. Bien bloqué ça, mec. Balayage. Fais de la merde. Fais de la merde, mec. Mikiri, oh je l'avais ici.
Non, tu paniques, tu paniques. Et fais chier une P3. Ah mais merde, elle avait vraiment trois phases en fait. J'avais pas vu. Ah, j'ai encore un raise. Balayage. Bien tenté. Allez, elle tombe. Je tire. Ça commence mal. Non, meurs pas bêtement, meurs pas bêtement. Fais deux. Arrêtez ta phase pourrie. Balayage, putain. Ouais, il était pas beau lui. Merde, je croyais que t'allais pas. Ok. Bon, pas dingos, hein. Oh merde!
balayage, putain, je me fais avoir à chaque fois. Allez, rafle de la boulette. Ah, ça fait de la terreur, ça. Oh là 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 là, la graisse. Non, non. Vas-y, au cours. Je me fais toujours avoir par ce putain de balayage. Ah, tu devrais penser aux sucreries, Mathieu, pour la puissance, ça aide pas mal. C'est vrai que je prends jamais de sucreries. Depuis le début, je prends jamais de sucreries. Oh putain, je lui saute sur son Mitiri. Jean Grigny, hein. De balayage de merde. Oh. Ouais, bah ouais, mourir sur un balayage, c'était sûr. Les fantômes, putain!
Ok, elle est revenue. Balayage. Ça va devenir une running joke, hein. Elle est vraiment pas impossible, hein. C'est juste qu'elle est très longue. Trois phases, c'est long. C'est vraiment long. Faire ce putain de balayage, saloperie. Oh merde, j'y vais dessus alors qu'elle elle tourne encore. La merde. Non, trop tôt! Oh, trop tôt! Oh, l'erreur du joueur français! Ok. Balayage? Ah oui. Ça veut pas, hein. Deux fois de suite en plus. Pas comme si le jeu il voulait m'apprendre. Ah, j'ai essayé. Ça, c'est facile.
Eh ben... Je galère, hein. Le heal qui m'a condamné, ouais. C'est le heal. Il découvre l'un des boss aussi relou que pas si compliqué si tu éteins ton cerveau. Faut éteindre son cerveau ? Putain! Quel vieux type! C'est pas possible! Passe pas. Merde. Il est enfin passé. Merde, putain, j'aurais dû y aller, je suis trop con. Tu...
bah je galère aujourd'hui. Hein. J'avais 4 popos, je le sais bien. Je le sais bien, c'est ce qui me rend le plus fou. Cette phase elle est horrible parce qu'elle est assez aléatoire en fait. Des fois je prends du dégât, des fois pas du tout. Assez aléatoire. Putain, mais laisse-moi 2 secondes. Putain, mais je peux rien faire, quoi. Confetti. La dernière phase, elle est horrible. Et en plus, comme il y a les deux premières, j'arrive. J'aimerais bien la train en fait, mais je peux pas. Laisse-moi la caméra, tu vois.
Ah, le moral commence à baisser dangereusement. Oula, oui. Tu vois, je passerai à chaque fois les balayages, le boss il serait déjà down. C'est juste à cause de ces putains de balayages qui m'en met plein la gueule systématiquement. Vas-y, en plus je suis greedy as fuck. Ça va pas marcher. Ça va complètement pas marcher. Ouais. Bon bah les confettis, on les rappellera. Oui bah oui, faisons ça. Je crois que j'ai pas utilisé le bon objet en fait. Je croyais que ça faisait des pop les fantômes, mais en fait non. Ouais voilà, donc je suis mort. Ouais. Ça fait quoi? Chasse les ennemis fantomatiques. Je lui fais plus mal du coup? Après, c'est utile sur des trucs déjà morts. Elle, elle a rien. Ok. Ok. Tu l'as, Mathieu? Plus vigilant sur les balayages, sucre et pétard. Tu la plies en P2. Le problème, c'est que j'ai pas d'emblème. Pourquoi j'ai pas d'emblème? Parce que ça... Ça me consomme énormément d'emblèmes. Donc, il est bien gentil, le... cette sortie mortelle. Mais je crois que je vais repasser sur Ishimonji. Parce que je peux pas faire à la fois des pétards et à la fois la lame de sang. Il est plus dur que l'autre boss, quoi, ce boss. Je croyais que c'était un boss hyper dur que j'allais faire. Et lui, mais qu'est-ce qu'il me punit la tête? Oh la vache! Qu'est-ce qu'il me punit la gueule? Je pensais à un balayage, donc forcément.
C'est parti pour la phase que je déteste le plus. Vraiment ? Eh oui, ça touche. Là, je la donne. Je la descends pas assez vite, hein. Elle va me refaire une. Ouais. Je la descends pas assez vite. Non, non, non! Putain de. Et comme je meurs dans le vide, je peux même pas rester. Clique le clown. Clique le clown. Clique le clown. Merde. Mais putain, je me trompe à chaque fois. Ça me rend dingue, dingue, dingue. Ouais. Moi, je vais attaquer la P2, j'aurai plus de popo. Tranquilos. Mais il y a un truc à faire dans cette P2. En vrai, je la fais mal. Hein. C'est pas normal, c'est trop aléatoire en fait. Ouais, voilà. Et hop.
c'est parti. Oh, c'était pas terminé. Bon bah. Je sais pas comment faire. J'ai plus d'emblème. Ouais, le moral est plus là. Toujours, je veux savoir. Courage, fuyons! J'ai lu dans le chat, hein. On peut skipper la P2. Mais vraiment, là, je vois pas comment faire. Je suis au bout de ma vie.
Je peux même pas aller ailleurs parce que j'ai pas d'autre endroit où aller. Tu vas sur l'arbre le plus lointain quand elle est en fantôme. Tu regardes au centre du pont, tu la loques. Ça m'a l'air bien compliqué. Respiration. Sucre plus futilité, furtivité j'imagine. Et tu prends sa vie en passant par les arbres. Mais le problème c'est que la furtivité, je l'ai essayé tout à l'heure quand j'ai fait les deux boss. J'ai l'impression que ça fait R. Mais genre R de chez R, tu vois. C'est le sucre d'Ungo. Non, de Gokan. Non, de la Chine. Et merci Patatium pour le sub. Merci beaucoup. Vraiment, tu locks l'arbre au fond à droite. Dès que tu as une attaque sautée au centre. À gauche. À gauche, ok. Bon, on va tester avec des sucres. J'ai repris mes esprits. Le problème, c'est que j'utilise tous mes objets. Ça me fout les boules. Ça me fout les boules. Ah mais elle était au centre en fait. Je l'avais même pas vue depuis le début. Je savais même pas qu'elle était au centre. Tu vois. Mais non, mais laisse-moi tranquille, laisse-moi me heal, putain! C'était horrible. C'était horrible. Oh, c'était horrible. J'ai un trauma. J'ai un trauma dans ma tête, là. Il va plus me quitter.
Oh putain, quel enfer! Une pièce taillée dans un grand morceau de jade, la posséder augmente le nombre d'objets que l'on peut acheter chez les marchands. Elle a également de la valeur pour les marchands eux-mêmes. D'après une vieille coutume, ceux qui sont de rang de dragon sont reconnus comme marchands suprêmes par le palais et reçoivent le meilleur traitement. Merci pour les GG dans le chat. Je sais pas si je le mérite vraiment avec la technique de la P2. Ça me fout un peu les boules. Ça me fout un peu les boules de l'avoir gagné comme ça. Item infini, maintenant tu peux acheter des confettis et des boutrolles as you want. Ah, ça c'est cool. Donc, nouvelle zone. Bon, déjà, c'est beau. C'est beau de ouf. Tous les moyens sont bons, c'est vrai, tous les moyens sont bons. Tous les moyens sont bons pour les défoncer, ces gros boss. Ah, ça aurait été cool si je l'avais tué à l'ancienne, tu vois. Alors, ça veut dire nouvelle zone, nouveaux ennemis, j'imagine. Ah, c'est nice, hein. Donc, c'est une zone de flotte. Et bonne nuit, Silver. À la prochaine. Ok. Putain, de genre de flûte, tu sais. Wow. Non, c'est de la terreur. C'est de la terreur. Oh, affaibli. Oh putain, j'ai plus de vie. Trop marrant. Ah bah je suis mort. Oh, lui aussi il a cheaté, tu sais. Il a pur cheaté. Donc s'il m'affaiblit, je suis mort. Je suis one shot. Une zone où tu peux facilement te faire OS. Ok. Ok, je retiens. Fais-moi le Kekos là, mon pote. Ok, ça a l'air d'être ce genre de zone où il y a des pièges partout. Et une zone aquatique. Mes préférées. Toujours agréable les zones aquatiques. J'ai même pas augmenté ma puissance, je suis vraiment une mauvaise personne. J'ai pas augmenté ma puissance. Ah putain, en plus je vais oublier, c'est sûr. C'est sûr, je vais oublier. Est-ce que je peux remonter? J'ai un gros doute. Je vais le faire maintenant parce que je vais oublier, c'est sûr. Après, je retouche pas au jeu pendant une semaine, donc je vais oublier.
La religieuse corrompue était infestée, elle protégeait le palais de la source. L'immortalité est une qualité utile pour un gardien éternel. Elle s'appelait réellement Yao. N'oublie pas le temple Senpo. J'y suis allé tout à l'heure au temple Senpo. Faut que j'y retourne là ? Qui m'a vu. Bon, vous m'avez dit que c'est une zone horrible, on va essayer de les avoir. En mode horrible, nous aussi, tu vois. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? J'arrive, mec. Danse. Danse avec moi. Oh merde. Ok, c'est des archers. Attends, lui, là. Lui, il faisait le geckos, non ? C'est des archers au corps à corps, ça devrait le faire. Pour l'instant, je sais même pas ce que c'est leur pattern parce que je les ai tous tués en fufu. Ça se trouve, ils ont un pattern horrible. Ah, j'ai du cul. Ok. Pattern. Danse. C'est des danseurs. Merde, merde, merde! C'est un joueur de flûte! Non? Je sais pas. Ok, il y a un deuxième passage par là. Mais à l'intérieur de la baraque, il n'y a qu'une seule entrée. Faut passer le joueur de flûte. Quel merdier. Je suis perdu dans cette zone. Ok, j'ai que ce couloir en fait. Et du coup, c'est un putain de joueur de flûte. Mais en fait, c'est pas un couloir, c'est... Ils me font flipper de ouf. Ils me font flipper de ouf. À pouvoir one shot. Ok, en fait, on peut pas rentrer dans cette bâtisse. Hein. Je vais quand même refaire le tour pour voir s'il n'y a pas une entrée, mais en fait, je crois que c'est juste une bâtisse fictive. Trop bizarre. Ok, bah on va continuer. Ça sent... Oula, qu'est-ce que c'est que ce truc ?
Il m'a repéré directos. Mais il est chaud. Bon, par contre, il est faible. Il y a des loups. Shinobi. Alors, je sais pas si on peut appeler ça des loups. Quoi? Ouais, c'est un truc à quatre pattes. On va appeler ça un truc à quatre pattes. Ok, il y a plein de loups là-dedans. C'est la teuf aux loups. Tombe bien, j'ai les pétards. Merde, merde. Il y a un joueur de flûte. Alors, viens ici, mon copain. Sans le joueur de flûte caché quelque part, ça. Oh oh. C'était quoi? Les éclairs. Ok, il y a une save. Il y a une save, ça c'est cool. Surtout que je suis dans la flotte et tout. Si je prends le jus, je pense que je prends bien le jus. Bien comme il faut. Donc du coup, il y a une grande zone aquatique. Et ça va être immense. Oh oh. Ah! Ok, donc la grande zone aquatique, on va pas y aller pour l'instant. Parce qu'on a un collègue qui est sur l'arbre. Et qui est bien... Qui est bien convaincu pour nous défoncer la tête. Donc on va faire le tour. On pourra peut-être le tuer. Auquel cas on pourra se balader dans la flotte. Allez. Le cauchemar. Le cauchemar. Je croyais que je m'en sortais bien sur Sekiro. Et en fait, là, je suis en train de douter de mes capacités de ouf. Moshi. Owakai o hito. Ami? On est copains? Owakai o hito. Mia no kizok tachi wa wakai seiki ni kawaite imasu. Suitakute suita. Toku ni kono saki. Naka ni wa waki mia no kizok ga wara saki ni susumu nara. Gaishu o mawarare. Je peux pas faire le tour, y'a un type qui m'électrocute. Ami, je peux pas faire le tour. お若いお人に一つ頼むの。父のことです。我が父は貴族になりましたが、その時恋にもうずっと。お若いお人、どうか父を
Ah, c'est lui qui me jette des éclairs? Si c'est lui, je vais le libérer, tu vas voir. Ouais, ok. Ok, mamie. Encore? Non, 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 non. Qui l'attaque? Et c'est un lieu de save! C'est pas possible! Non! Il me voit de ouf! Ok, essayons d'être malin. Mais je vais jamais... Mais je vais jamais passer cet enfer. Pour utiliser un sucre à la limite, mais à chaque fois que j'utilise ce sucre, je suis pas convaincu de son projet. On va voir si je vais être convaincu. Je commence à être convaincu. Merde. C'était sûr? Cauchemar est éternel. Combien de points de compétence? 3 points de compétence, ok. Ok, je suis toujours en mode fufu. On peut profiter de ça. Ah non, je ne suis plus en mode fufu. Et on a qu'une vie. Ça loot. J'entends des bruits de pas, mais je sais pas d'où ça vient. Merde, c'est lui. Ah non, il a ramené des potes. Panique pas, panique pas, panique pas, panique pas. On va les avoir. Ok, ils sont peut-être deux, mais on va les avoir. Et on se bat dans un vieux couloir. Oh putain.
Shinobi. 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 Ok, il y en a un qui a bougé. Il est là-bas. Ok, on a deux ennemis ici. Bon, faut qu'on avance méthodiquement. Lui, il a bougé. Ah putain, il est plus gros que les autres. Pourquoi il est plus gros que les autres? T'es surtout mort, mon pote. Putain, mais quel merdier! C'est qui lui? Ok. Go. Non! T'as la rhubarbe! Putain, meurs! Lui, il regarde vers quoi? Il regarde vers la zone d'où je viens. Là. Ok. On va faire un plan, mais je sais pas s'il va bien se passer. On va courir. Combattre lui. J'ai trouvé un coffre. Sûrement important. Une herbe divine. Parfait. Putain, mais ils sont 1000. Vous les entendez jouer leur putain de flûte? Ils sont une armée. C'est pas possible. Et j'ai aucun moyen de passer en mode coulos. Éventuellement un bonbon. Éventuellement un bonbon fumé de sang. Allez-y, on va tester des trucs de dingos. On va tester des trucs de fou. Un bonbon. Ok. Je suis super fufu. Merde, j'ai oublié d'activer. J'ai pas activé. Bon, j'ai pas activé, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Lance égale Mikkeli. Allez, viens. T'as pas peur? Non, non, mais moi je viens pas, y'a l'autre, hein. Ok, vous faites de l'électricité. Non, balayage, pas Mikkeli.
me ferait vraiment chier de mourir maintenant. Il y a une save. Oui. Je pense que j'ai tout visité ici parce que j'ai vraiment bien pris mon temps. Du coup, on est tout bon. Et on a passé la forteresse de la mort. Il m'a pas mis une blague, hein. Genre juste avant. Non, pas de blague. Donc le collègue là qui est en train de faire des éclairs, il est juste là-bas. Donc j'imagine qu'il faut que j'aille le tuer dans le dos. Je sais pas s'il va me faire des éclairs par ici. Je devrais peut-être save avant. Je fais pas de la merde. Ah! Donc même si je suis là. Ouais, ok. Ok. Donc faut pas que j'aille dans l'eau où j'ai pas pied. Très bien. Eh, mais il y a du loot là-dedans. Attends, mais... J'ai oublié le loot? Mais je vais claquer. Ouais, j'ai oublié du loot. Mais c'est pas exactement... Je crois pas que... Si, c'est la même zone. Oui. C'est la même zone. Du coup, j'ai oublié du loot. Putain, qu'est-ce qu'on ferait pas pour du loot, hein? Non! 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 Fallait passer par une petite flaque. Parce que ça a l'air d'être le cas en fait. Qu'est-ce qu'on voit? On voit de l'eau. On voit de l'eau. Putain de merde. Bon, je crois que je vais l'abandonner ce loot, hein. C'est incompréhensible. Derrière toi, la flaque. Elle est à l'angle. À l'intérieur du château? Juste où je suis mort? Ah ouais?
Je vois pas, hein. Je vois pas de flaque. Tout spawn là? Non. Là, il y a des planches cassées. Ah là! Ah bah oui, je suis con. Ah, bien vu. Bien vu, bien vu. Bon, j'espère que c'est cool, hein. Une écaille de carpe. Une écaille de carpe au trésor. Et une écaille de carpe au trésor. Et... Mais j'ai déjà tout acheté, chez le marchand d'écailles. Il va peut-être en avoir un nouveau, ça veut dire. Ah, il y avait un coffre. Bon, je commence à fatiguer, moi. Je commence à fatiguer, moi. Je vois plus les coffres. Oh mais oui, de ouf. De ouf. Allez. L'eau du palais, une coupe remplie d'eau divine, une boisson appréciée par les nobles du palais. C'est ce que l'on offre pour accueillir ceux qui se marient au palais de la source. Le délice des nobles du palais, buvez jusqu'à plus soif. Ok. C'est un objet de quête ou je peux l'utiliser? Je vais boire de l'eau du palais. Non. Faudra que je le file à quelqu'un, sans doute. C'est pour une quête, ouais. Mais pour l'instant, j'ai pas eu de PNJ qui me file cette quête. Ce sera peut-être pour après. Ah non. C'est donc ça, la carpe. C'est donc elle. Ouais, mais il y en a de partout, hein. Je peux bien faire une attaque frontale, mais... En fait, ils sont 1 000 milliards. Mais si je vais tuer lui, je vais pull tous les autres. Allez, fuck, on a qu'une vie. Tranquille, le one shot. Ça se passe comment, la vie? J'avoue, goal. Goal. Elle m'a mis un de ses buts dans la tête. Lui, c'est un archer. On va tuer le soldat d'abord. Faut pas sauter, mon pote. Du coup, on peut pas passer de l'autre côté, j'ai pas le nécessaire. Mais vas-y, mais vous êtes 1000. Au moins, je me fais de l'XP en pagaille. Je suis déjà niveau 4.
Allez, Mbappé! Nice! Oh la vache! Non! Non, 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 non! Il va me tirer dessus. Allez, non. Ah la vache! Je savais que j'avais entendu un petit bidule. Ah putain! C'est pas bon, c'est pas bon! Cache-toi derrière un truc! C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon! Foutu. C'est pas foutu. Le jeu est contre moi aujourd'hui, hein. Le jeu est contre moi de ouf. Mais je me défends. Ok, donc il y avait des joueurs de boules là-haut. Eux, faut vraiment que je les élimine parce qu'ils sont très très relous. Joueurs de boules. Allez, ça part. Ok, et là, on a un château clean. J'ai 3900 balles? La vache! Ça serait encore plus con si je meurs, tu vois. Merde! Oui, non! J'ai cru que j'allais le fufu. Allez, fort qu'on élimine. On récupère le rez. Un loup quelque part. Mais bon. Ok. Bon, on a une première zone qui est propre. Qui est pacifiée. Tout est parfait. On va pouvoir monter par là. Et essayer de toujours pas mourir. Ok, donc on a une zone sous-marine. Enfin, une zone avec de la flotte ici. Et on peut remonter par là, très bien. Et on a du loot ici. Mais je suis tellement riche. Ok, j'ai pull un mob cassé. Le pont, est-ce qu'il m'aurait pas caché des trucs?
Non. Ok. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Avançons. Cette histoire de pont, c'est très bizarre, mais je pense que ce sera pour plus tard. Parce que on peut pas monter. Peut-être par derrière quand je pourrais aller dans la flotte. Ah non. Ouais, je pense que ça sera pour plus tard. Après c'est bizarre. Y a pas des ponts qui se reforment dans Sekiro. Toi t'as fait quoi mec? Montre-moi ce que t'as fait. Ah tu pars là-bas? Non, tu reviens ici. Wow! Tu fais ça comment? Mais t'as fait ça comment? T'as pas sauté aussi loin? Ok, il doit avoir un pouvoir que j'ai pas. Y'a pas de grappin, je suis pas fou! Montre-moi, mec! Je crois que la suite, c'est bien et bien là. Hein. T'avais peur d'être accueilli par des ennemis? Si. Ok, je peux ouvrir cette porte. Mais avant, on va checker la zone. Putain, il y a un archer. Ça va par là. Ah mais on va tomber sur le daron de la mamie qui condamne le pont. Ok. Donc je pense que ça c'est la suite en fait. Donc ça voudrait dire que là peut-être juste une bicoque. Si je trouve une save, je save pas parce que ça va faire rip-hop tous les mobs. Après, j'ai plus beaucoup de vie, mais bon, ça ne s'ouvre pas de ce côté. Donc bon, la réponse est résolue. Mais il y a 1000 mondes ici. Deux archers, deux lanciers, un zinzin. Ça me coûte 6. Je vais essayer de faire un truc de beau gosse, mais si ça marche pas, je suis fou. C'est tous des lanciers. Et je me fais tirer dessus par un archer qui est là-bas. Ok. Il va falloir bouger.
Il va falloir bouger, ils sont beaucoup trop. Fuck, fuck, Shinobi. Hein. Un archer est éliminé. D'éliminer. L'épéiste éliminé. Mikeli. Il reste plus que l'archer qui a pas bougé, je crois. Il est teubé. Ouais. Ouh, et ben Mazette. Ok, on a une save. Et on a le vieux. On va devoir défoncer. Le problème, c'est que si je save, les mobs vont ripoper. Et ça me hype pas trop. Donc, on va quand même finir de visiter. Mais je crois que c'est bien pacifié. Hein. De toute façon, je peux pas remonter. Donc, ok, je vais sauvegarder. Vieux canne là, je vais le canner de ouf. Je vais le canner de ouf. Il m'a tiré v'là les éclairs dans la gueule. Il va moins faire le show là. Non. Bon, c'était moche, mais c'est passé, hein. Allez. Mais... Menace pacifiée. Ce qui fait qu'on peut aller dans l'eau. Yay. Yay, yay, yay. Et du coup, on pourra aller à ce temple-là, sur la droite. Yay, 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 yay. Et dans l'eau, il y a forcément moult fortune et moult choses à faire. Ok, c'est énorme. Après, je me souviens qu'il y avait quand même une carpe immense. Ça a l'air immense, ça l'est, je pense. Le problème, c'est que j'ai peur que il y a la grosse carpe, qui me mange si je descends. Donc on va pas faire la bise tout de suite. D'ailleurs, salut El Tigrezzino. Oh oh.
Problemos. Problemos. Je suis pas fou, hein, j'ai vu une énorme carpe, hein. T'as loupé l'homme sans tête ? Il y avait un homme sans tête ? Ah là, je viens de tuer le mec qui faisait des éclairs. Là, il y a une autre partie du château qui est ici. Et il va falloir visiter toute la flotte aussi. Donc, prenons méthodiquement. On va checker les secteurs. On a donc une première abysse ici. Là où j'étais. Là où j'étais, mec. J'étais où? Il y avait la maison. Et il y avait une sorte de grotte. Là, il y a l'abysse. Ok, là, il y avait la maison. Là où j'ai vu la carpe. D'ailleurs, en parlant de maison, est-ce qu'on peut monter dessus? Les niveaux sous l'eau. Oh non, je déteste les niveaux sous l'eau, c'est pas possible. Ah mais c'est une collègue. Ohakai ohito. Sore naraba wakimichi no hou ga yo. Ima wa mizu no naka. Nushi no koi no nedoko ni natte iru. Ok, donc la carpe elle est là par là-bas. Ok. Donc, je pense que c'est par là. Et je vais pas y aller de suite parce que... Attends, c'est par là ou pas? Ouais, il y a une grotte. Je sais pas si je vais y aller de suite parce que j'ai vraiment pas fini de visiter toute cette zone. Et peut-être qu'il y a une carte qui me bloque, hein. Elle est là. Non. Tu m'as pas vu. Je pense que ce sera un truc d'infiltration avec la carte. Donc, si ça c'est la suite, on va visiter. Et salut Bloodstalker, bienvenue à toi. Du coup, les appâts précieux encore. Il y a une histoire de cloche avec les appâts précieux. Je sais pas encore ce que c'est. Il y aura sûrement une histoire de cloche à un moment donné. Oui, plein d'appâts précieux. Il y a un sans-tête. Ah putain, il y a un sans-tête. Je vais le noter. Je les fais pas maintenant, les sans-têtes. Je le ferai plus tard en endgame. Allez, on est greedy as fuck, hein. Ok. On a bien fait d'être greedy. Achoum. J'ai bien eu peur de vous achoumer à la tête. Je crois que j'ai tout pris. Et en plus, j'ai gagné une perle de chapelet. Ça, c'est incroyable. Merci Florent.
Ok. Donc il y avait aussi cette zone là où j'avais essayé d'y aller tout à l'heure, mais ça c'était vraiment mal placé pour moi. Vraiment très mal passé. Au final, je voulais voir si on pouvait monter par l'autre côté, mais non. Il semblerait que non. Et par ici, l'eau, j'ai pied, je crois. Ouais. Ouais, j'ai très pied. Ok. Donc, je vais pouvoir aller dans la partie... dans l'autre partie du château, avant de faire la carte. Si jamais je peux monter. Alors, est-ce que je peux monter? Grande question. Il y a une save. C'est étrange. C'est étrange. Non, je pense que je peux pas y accéder pour le moment. À moins que j'essaie de faire un pur saut de cabri. Après, la mamie, elle a dit que le palais était fermé. Ouais, mais je voulais voir... Parce qu'il y avait une grosse porte là-bas. Justement là-bas. Donc c'est elle qui doit être fermée. Mais là, cette partie du palais, je pensais que j'aurais pu y aller. Mais non. Non, ça a l'air bouché. Ça a l'air bouché, donc il nous reste plus que Magikarp. Hein. Et on va bien voir comment ça va se passer avec elle. J'appréhende un peu. Je pense que c'est un truc de... Je dois me cacher éventuellement dans les petites baraques, parce que dans les petites baraques, elle pourra pas m'avoir. Ok. Et elle a tout cassé. Elle a vraiment tout cassé. Les petits endroits où je voulais me planquer. Mais jamais j'y arriverai, j'ai pas la longe. Ah, je sais pas où faut que j'aille. Salut toi! Ah, une grosse bourse! Putain, j'ai eu de la chance! Peut-être que j'aille plus vite parce que j'ai l'impression qu'elle se cogne la tête quand elle charge. Et du coup, j'avais tendance à prendre mon temps, mais en fait, elle est stun, je crois. Qu'après je sais pas où aller et assez stressant. De toute évidence c'est pas à la surface, faudrait que je descende plus en bas peut-être. Hmm.
Magikarp, Magikarp, Magikarp. Magikarp, Magikarp, Magikarp. En bas? Ok, elle m'a déboîte. Allez, faut tester, hein. Non, c'est juste du loot. Eh merde. En vrai, je crois qu'on le fera la prochaine fois parce qu'il commence à être tard. On le fera la prochaine fois parce qu'en plus, là, je perds toute ma thune et j'avais vraiment bien farmé. Ah bah là, c'est bon, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. J'avais 4000 balles, j'ai plus que 1000 balles. Parce que je meurs, parce que je sais pas où aller. Dommage, dommage. Bon, je vais en profiter pour acheter des emblèmes en vrai, hein. Et compétences, 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 me rendre plus de vie, hein. De ouf. De ouf. Ouais, elle m'a défoncé avec son attaque trempette. Elle m'a vraiment défoncé. Mais en vrai, on a bien avancé, je trouve, aujourd'hui. C'était cool. Ouais, j'ai un peu galéré sur la... Sur la nonne, là. Je sais pas comment elle s'appelait. Mais c'était cool. C'était cool. Deux gros boss.